site. Sur ce site, Sabrina vient de télécharger le plan d'une table basse qu'elle a acheté 9 euros. Et voilà le plan du meuble. Il détaille tous les matériaux dont on a besoin pour faire le meuble, qui reste assez simple à faire soi-même quand on n'est pas bricoleuse expert. Il ne reste plus à Sabrina qu'à acheter les matériaux et suivre le plan étape par étape. D'abord, il faut fixer les planches à l'aide d'un serre-joint. Pour découper ma planche, il a fallu que je m'équipe. Donc j'ai emprunté une scie sauteuse. Tout le monde n'a pas une scie sauteuse chez soi. Il nous reste à poncer juste les bords. Même exercice avec les tasseaux. Ce sont les petites pièces en bois qui vont servir à assembler les planches. Et voilà, les tasseaux sont prêts à être collés aux planches. Et pour coller les tasseaux, Sabrina utilise de la colle néoprène. Et on vient mettre le tasseau vraiment au bord de la planche, comme indiqué sur le plan. Temps de séchage, 5 minutes. Sabrina doit ensuite assembler les différents éléments de la table en les collant entre eux. Reste à réaliser le plateau qui viendra s'emboîter dans celui qu'elle vient de construire, avant de passer à l'étape de la peinture. Donc j'ai décidé de la peindre en blanc et marron. Donc là je vais peindre en blanc, j'ai pris de la laque. Et on n'a plus qu'à l'appliquer. Il n'y a rien de compliqué, on a juste à prendre un petit rouleau, à appliquer la peinture. Après la première couche de peinture, laissez sécher pendant 6 heures avant d'appliquer la seconde. Et au final... J'ai également peint le plateau supérieur en marron. Sabrina n'a plus qu'à installer sa nouvelle table basse dans son salon. Bilan de l'expérience. Voilà, au final la table est terminée, j'ai réussi à la faire. Tout ça en à peu près une journée. Donc pour un budget assez faible, environ 60 euros, donc 40 euros de matériaux, 10 euros de peinture et 10 euros le plan. Donc je suis bien contente d'avoir fait cette expérience et je pense la renouveler et faire d'autres meubles. Quelles que soient vos envies et votre budget, vous pouvez tout réaliser vous-même. Alors, à vos outils.